Bien, bonjour chers téléspectateurs et merci de faire confiance à HTV, les fidèles. Ils connaissent bien que lorsque cette heure, lorsque ce jour, ce samedi a sonné sur cette antenne, c'est le sport qui prend le pouvoir, c'est votre programme H-Foot pour sa deuxième saison. Nous sommes là une fois de plus avec les invités, les inconditionnels du sport pour débattre des questions du sport, pour permettre au sport de s'émouvoir d'une manière comme d'une autre sur cette chaîne panafricaine HTV. Sans plus tarder, on va prendre le sommet qui est signé par Gabriel Messina. Bonjour chers inconditionnés de H-Foot. Au menu de cette édition, phase de poule de Champions League, Éric-Maxime Choupo-Moting et le PSG, héroïque face au Real Madrid. Lyon indomptable, Patrick Mboma, candidat à la succession de Clarence Seedorf, Camboire et Poyet, annoncé la fumée blanche attendue. Chané Khan, Cameroun, le ministère des Sports et de l'Éducation physique prépare l'arrivée de la mission CAF. Pour cela, un séminaire d'imprégnation a eu lieu en milieu de semaine, retour dans cette édition. Bras de fer Ligue FECAFOOT, la FECAFOOT passe à l'offensive en donnant une avance de la subvention au club. Début de la saison, annoncé pour le 18 octobre 2019. Bonne dégustation si vous êtes à table, à samedi prochain. On dira merci à Gabriel Messina pour ce sommaire. Et si on a convenance de ce qui a été dit précédemment, on sait désormais ce que nous présente notre conducteur de ce matin pour cette saison de votre programme H-Foot. Je ne serai pas seul pour vous servir. Vous, comme nous, vous le savez, si bien on a des inconditionnels qui nous font confiance. Ils sont là une fois de plus pour la plupart. Ils sont analystes de sport, ils sont responsables de club, ils sont entraîneurs de football. On leur donne la parole. Permettez-moi de démarrer par la droite. Comme je suis droitier, on n'en voudrait pas chez les gauchers, mais quand cela n'était va d'abord présenter celui-là qui est assis sur le banc de touche de AF Fortuna depuis quelques jours. Il s'agit du coach Grégoire Atanangandi. Coach Grégoire Atanangandi, bonjour et bienvenue. Bonjour Daniel Fissinjek. Déjà, il faut corriger que je ne suis assis sur aucun banc. Je pense que le peu de temps que j'ai passé dans Fortuna, c'était sous l'attente du fait que nous entendions sur certaines modalités dans le contrat. Mais bon, malheureusement, cela n'a pas été fait. Je pense qu'on ne peut que bien faire son travail si on est motivé. Bon, quand on estime ne pas être motivé, on se retire. Donc, bonjour à vous, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs de HTV. Mais ça commence très fort. On vous a vu sur le banc des touches de fortune, même qu'à quelques jours, on annonce le démarrage dans quelques jours et que le tablier ou les démêlés, c'est un peu compliqué lorsqu'on parle de professionnalisme. Non, ce n'est pas les démêlés. Vous savez, dans la vie, quand vous faites confiance aux gens et que la confiance n'est pas respectée ou bien retournée, puis... Vous savez, c'est vrai, comme je le disais, je suis jeune dans le métier, mais je ne suis non plus le dernier. Et je pense que je me sers des échecs du passé pour préparer le présent et le futur. Donc, quand on n'est pas bien, on n'est pas dans les conditions même de donner le meilleur de soi-même, je pense que la sagesse voudrait qu'on se retire et qu'on reste à la maison et qu'on laisse les autres faire. Parce que c'est bien d'être un entraîneur d'un club de Ligue 1, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est entraîneur de Ligue 1. Il faut payer les factures à la fin du mois, parfois. S'il faut peut-être se le dire. Mais on va commencer avec, on va parler de la direction technique nationale. En début de semaine dernière, lundi dernier, on s'est rendu de ce côté à la commission amenée par le DTN, Serge Noah, Jean-Paul Lacono et bien d'autres. Wansi Dominique sont retrouvés du côté de la DTN pour essayer pour une session de passage ou encore ceux-là qui ont obtenu le diplôme à l'étranger, il fallait évidemment les convertir. On a vu une longue liste et un rapport qui est sorti de là. Est-ce qu'on va dire que c'est une manière pour la DTN de qualifier ces cadres qui sont à l'étranger ou de ramener l'expertise au niveau du Cameroun? Non, je pense que la DTN, déjà, c'est une façon de régler parce que vous savez, beaucoup de nos collègues dans le métier pensent qu'il suffit d'être entraîneur bien exercé de l'autre côté en Europe et que ça vous ouvre facilement les portes de les équipes nationales ici parce que beaucoup plus, il faut le dire, nos collègues qui sont de l'autre côté, la première visée c'est ici chez nous, c'est l'équipe nationale parce que tout le monde sait que les équipes nationales sont des vaches à lait. Il suffit qu'on ait un entraîneur national, ça gonfle votre CV. Ou qu'on soit un ancien joueur. Ouais, ou qu'on soit un ancien joueur. Donc je pense que le DTA essaie d'être. Et moi je pense qu'il a été vigilant sur cet aspect parce que c'est important parce qu'ici au pays, on a plein de bons entraîneurs qui travaillent tous les jours. Bon, ils n'ont pas peut-être la chance d'essayer à l'extérieur. Je pense que ce genre d'initiative, elle est très bonne et à temps, parce que malheureusement, elle s'est faite en début de saison, parce que vous savez, sans manquer le respect à certains collègues, par le passé, on a eu des clubs qui ont eu à leur tête des entraîneurs qui n'étaient pas qualifiés peut-être pour entraîner la division. Et à la fin, on sait ce que ça a donné, Bamboutos, on a vu le cas Bamboutos, parce que je pense que si
à part le passé, il y avait eu ce genre de situation. Mamoudou Zonoé n'avait pas eu de problème qu'ils ont eu avec l'entraîneur que nous tous nous connaissons. Je pense que c'est une initiative qui loue et ça nous les entraîneurs qui sommes au niveau du terroir, ça nous conforte dans le fait qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut continuer à se faire former au Cameroun et être sûr qu'on pourrait exercer au niveau qu'on veut. Quoi. Voilà, qui est bien dit, Gaïa en Afrique avec l'Afrique. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de cadres qui sont titulaires de licence UEFA, des licences ACAF, des licences fédérales au niveau du Cameroun. On va rester dans ce domaine, mais on va interroger quelqu'un qui aime bien parler des questions du sport. C'est un référentiel, si on peut se le dire ainsi. Jacques-Edouard Niobe, la science, comme il s'est fait appeler par les intimes, nous fait l'amitié ce matin. Pierre, bonjour et bienvenue, Jacques-Edouard Niobe. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs d'une chaîne que je viens de découvrir. Ça me fait un genre. Humanitarian TV. Vraiment, ça me fait plaisir quand même de me retrouver. Rappelons que vous avez l'application sur votre téléphone. Ouais. Donc, l'application, je vais commencer à zapper là-dessus sans problème. Donc, Jacques-Edouard Niobe, on parle des entraîneurs au niveau du Cameroun. Tout à l'heure, on parlera des sélections nationales, mais qu'à cela ne tienne au niveau de la direction technique nationale, il y a un processus qui est ouvert sur pratiquement un an. Les joueurs qui ont moins de 200 matchs de ligue au Cameroun, les anciens internationaux et bien d'autres sont appelés à se former en payant 110 000 sur pratiquement un an de ce côté. Il fallait véritablement le faire. Oui, il faut le faire. Ça, j'apprécie ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que la maison dormait et la maison veut se réveiller. J'ai toujours expliqué aux uns aux autres que le football devait se baser beaucoup plus au niveau de la gestion technique. Qu'on soit au niveau du football national, qu'on soit au niveau du football international, tout doit partir de la DTN. La DTN, c'est la cheville ouvrière. Mais curieusement, on a travaillé dans cette maison. En fait, ceux qui ont travaillé là avant le nouveau directeur n'ont pas eu l'occasion vraiment de ressortir cette maison de l'ornière. Elle a toujours été au rabais. Et maintenant, je crois qu'elle veut venir et ça me fait plaisir, pourvu que les moyens suivent, parce que les prédécesseurs posaient plutôt le problème de moyens, c'est-à-dire qu'ils sont là comme une gestion technique, comme la cheville ouvrière du football camerounais, mais curieusement, ils n'avaient pas de moyens adéquats pour faire ce travail. J'espère que cette fois-ci, avec la nouvelle fédération, on peut leur donner des moyens, et tel que je les vois venir, je sens qu'ils veulent faire, mais pourvu que les moyens suivent. C'est très important ce qu'ils veulent mettre en place, ce qu'il y a comme initiative, ce qu'il y a comme innovation s'impose. Ça va nous permettre de sortir le football vraiment de l'ornière. Qu'on soit entraîneur de football local, qu'on soit entraîneur de sélection nationale, vous devez tous dépendre d'une direction sur le plan technique. C'est-à-dire que c'est cette DTN qui doit vous apporter le maximum possiblement. Il y a par exemple le recrutement de ces entraîneurs des sélections nationales que je remets toujours en cause avec l'absence. On va y arriver tout à l'heure. Avec l'absence de la DTN. N'allez pas j'ai dit que la DTN devrait être là pour les juger, pour les recruter même. C'est-à-dire qu'un entraîneur qui veut postuler doit venir avec son projet et le défendre par devant qui ? C'est par devant la DTN. Sous d'autres cieux, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi j'ai voulu mettre un accent particulier sur ce démembrement de la fédération qui est très, très important pour que le football véritablement se développe. Voilà, Kevin, installez-vous confortablement. On va passer des bons moments ici avec vous, Jacques-Edouard Niobe. On sait que dans ces questions, vous êtes le plus souvent poignant et méticuleux. Toujours des arguments à faire valoir. Et c'est lui qu'on va introduire. C'est le troisième intervenant cet après-midi, ce matin ou encore cet après-midi. Il s'agit du directeur général du canon de Yaoundé, Châtelain Kono, qui nous fait l'amitié ce matin. Bonjour et bienvenue DG. Bienvenue, merci. Hein, merci, fils Daniel Ndiek. Bonjour, nous sommes nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir Châtelain, pour moi d'être ici aujourd'hui. Ce n'est pas la sérénité du côté du canon de Yaoundé, mais on sait que vous et votre PCA et vos poulons, vous avez démarré depuis quelques jours au Cancique des Mindons. C'est tous les jours. Lorsqu'il est 12h, on a aperçu Pierre Omélien, on vous a aperçu. Mais avant cela, il y a une grosse actualité qui a meublé le week-end dernier. C'était cette assemblée avortée du côté de la maison
maison du parti de Kolondongo, convoqué par le comité des sages. Parlez-nous un peu de quoi il s'agit véritablement. Non, fils Ndiaye, il faut dire que nous sommes sereins. Au sein du canon, nous sommes sereins. Vous savez, parfois, quand il y a des choses qui arrivent, vous vous dites, oui, que les gens s'agitent, et puis à la fin, vous verrez bien le résultat. Nous, en ce moment, nous sommes en train de travailler. Vous avez dit tout à l'heure que nous nous en tenons du côté de Mendon, pas parce que le canon a délocalisé son site d'entraînement. Non, cela est dû au fait que nous avons entamé, n'est-ce pas, les travaux de réfection du stade, et vous savez, avec la période de pluie qui arrive chaque fois, le terrain devient impraticable. Maintenant, s'il faut faire allusion à cette assemblée générale qui a avorté, il faut dire que la Fédération Camerounaise de football essaie de nous remettre en selle, n'est-ce pas, ce que nous appelions à une certaine époque chez nous le Conseil des Sages. Mais alors, il faut comprendre que si vous rentrez, n'est-ce pas, dans les résolutions de notre Assemblée générale du 27 décembre 2018, vous verrez bien que cet organe a été abrogé. Et puis maintenant, pour essayer de mettre tout le monde, n'est-ce pas, dans un seul panier, nous avons voulu le 22 janvier, n'est-ce pas, 2019, que les uns et les autres viennent participer, n'est-ce pas, à la saison 2018-2019. Malheureusement, on leur avait demandé qu'il fallait qu'ils fassent venir 5 administrateurs qui devaient donner chacun 1,5 million. Et maintenant, vous vous rappelez qu'à cette époque-là, j'avais même fait, n'est-ce pas, l'amitié de leur dire qu'au cas où ils payaient, n'est-ce pas, les 1,5 million, les 5, j'étais prêt, moi, à leur concéder le poste de directeur général. Vous savez, je suis très occupé dans ma fonction. C'est même une des raisons pour lesquelles on vous a convié, pour que vous veniez nous dire... Oui, tout à fait. Vous savez, nous sommes restés à l'attente. C'était une résolution du conseil d'administration qui avait décidé de faire de moi le directeur général. Il fallait donc que si les 5 administrateurs qui devraient accéder à ce conseil d'administration avaient payé chacun 1,5 million, que moi, je leur avais proposé que j'étais prêt à leur concéder le poste, c'est-à-dire que moi, résilier, n'est-ce pas, mon contrat avec le canon. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait et nous avons fini la saison. Vous savez bien quel était le résultat, mais aujourd'hui, nous sommes surpris que la fédération revienne dessus. Surtout que c'est un mandat de 2 ans. Tout à fait, et que nous voyons que c'est la fédération qui essaie de s'immiscer, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires internes du club. Mais nous sommes sereins et nous savons que tout cela n'est qu'une petite tempête qui passera et le canon restera debout. Jacques-Edouard Niobe, cette affaire du canon de Yaoundé qui revient à chaque fois, qui a un résultat à chaque fois qu'on se retrouve dans une division supérieure. On va dire les démons renaissent depuis quelques jours. Depuis ce week-end, c'est le sous-préfet de Yaoundé 4e qui a mis, fin à tout cela, à tout ce débat-là, alors que sur le terrain, on peut apercevoir là-bas, les joueurs sont déjà en train de travailler. Ben, que les joueurs travaillent, mais au niveau de l'administration, c'est un problème. J'ai toujours été très, très gêné par, disons, l'organisation de ces clubs mythiques, de ces clubs communautaires. Et je me rappelle à plusieurs reprises, j'étais dans des réflexions avec Châtelain où on ambitionnait vraiment refondre le canon. Et j'ai toujours rêvé de ce canon comme un modèle. S'il y a vraiment une reconstruction du football professionnel au Cameroun, le canon devait servir d'exemple et ça devait suivre un peu partout. Mais curieusement, ça peine. Alors, il vient de dire là tantôt qu'au niveau de... Lors d'une assemblée générale, ils ont décidé de mettre de côté le conseil des sages. Oui, j'ai toujours été gêné par ce texte qu'ils nous ont toujours présenté, où il y a une sorte de chevauchement de compétences entre un conseil d'administration et un conseil des sages. Logiquement, le conseil des sages, si on était vraiment dans les textes associatifs, dans le type sans consultatif, il devait plutôt être une instance d'honneur. C'est-à-dire que ce qu'on appelle conseil des sages devait être plutôt... Comme par exemple dans l'union de Douala avec non, le prince Gassa. Non, même là-bas, ça ne donne pas, c'est pas cohérent. Je dis, si on voit des statuts types des organisations associatives, selon la loi de 1990, on essaierait rester dans une logique de cumul de fonctions. Parce qu'il y a une nette différence entre des instances d'honneur, des instances d'administration et des instances de gestion. C'est-à-dire que ici, quand on est dans une instance, en fait, j'ai oublié de citer une instance qui légifère. C'est-à-dire l'Assemblée générale va légiférer. L'Assemblée générale, puisqu'elle légifère par session, peut-être annuelle, extraordinaire en cas de problème, va laisser ses pouvoirs à un conseil d'administration, si on oserait l'appeler comité directeur
sur le plan des textes type des associations selon la loi de 1990. Là, on serait donc maintenant avec un conseil d'administration ou un comité directeur dans une instance d'administration. Maintenant, de cette instance d'administration, il peut naître un bureau qui est exécutif. Et dans ce bureau exécutif, logiquement, on est dans une instance de gestion. Là, c'est le cas associatif. Mais maintenant, ici, on est canon, on ne sait pas quel canon, association ou canon société. Alors, si on était dans canon société, c'est encore plus clair là-dedans parce qu'on est là la selon. Parole revient au prorata des apports. On est selon le code WADA. Et le code WADA a aussi prévu cette assemblée générale des actionnaires, ce conseil d'administration et cette direction générale. Le directeur général a les pleins pouvoirs selon le code WADA. Il est là peut-être de nom, mais il n'a aucun pouvoir celui-là. Non, je vous en prie. On est ici, on ne sait pas si on était en Assemblée générale de l'association ou on était en Assemblée générale des actionnaires en tant que société. Tout ça, c'est de l'amalgame, on ne s'en sort pas. Châtelain. Et tout cela parce que la réflexion ne suit pas. Et curieusement, il y a des juristes dans leur maison. Il y a des hommes capés là-dedans. Les ministres même, des anciens ministres. Les ministres de la République. Là, par exemple, personne ne sait qui est qui. On a maintenant un conseil des sages qui vient se prévaloir comme instance d'administration, alors qu'il devait rester comme instance d'honneur. Châtelain Kono, un mot, est-ce que vous avez les pleins pouvoirs comme directeur général du Canada? Il faut dire ici que certainement pour apporter des éclairages à la lanterne de Jacques Edouard, c'est pour dire que le Canada Sportif, dans ce qui concerne l'association, c'était, n'est-ce pas, l'Assemblée générale de l'association qui a eu lieu le 27, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous aviez le Conseil des sages qui faisait partie, n'est-ce pas, de l'Assemblée générale du Canada Sportif, c'est-à-dire que de l'association. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fédération qui était avec les associations, parce qu'il faut bien le dire, vous savez que nous avions, c'est l'association qui essaie de gérer toutes les... Qu'est-ce qu'on fera de toutes ces sociétés qui ont été créées? Non, nous avons une société, d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai dit que l'acte de nomination n'a jamais été... Mais on a suivi le patriarche de Bombi l'autre jour. Je vais vous expliquer, vous savez, nous avons un petit souci avec tout ce qui se passe autour du canon. Le patriarche, lorsqu'il parle, on lui avait dit, le canon sportif à Yaoundé avait demandé la création d'une structure commerciale. Malheureusement, il a allé le faire pour que ce soit une société personnelle. Vous voyez un peu, on a dit non, c'était pas ça la recommandation. La recommandation est telle que on doit avoir un ensemble où, n'est-ce pas, l'association Canon Sportif Yaoundé, qui est représentée à 51%. D'ailleurs, je sais que vous aimez bien le modèle espagnol. Ou alors allemand, n'est-ce pas, actionnaire, c'est pour ça que je dis qu'actionnaire populaire. C'est pour ça qu'on a dit que tous les membres qui venaient de l'association devaient donc être des actionnaires, n'est-ce pas, au sein de l'association. Et c'est pour ça devaient donc au sein de la société. Au sein de la société, voilà. Ils devaient donc contrôler 51% des parts. Ça veut dire que quel que soit celui qui va venir en tant que personne, c'est 49%. C'est 49%. Ça veut dire que on ne saurait donner cela. Est-ce que c'est respecté maintenant pour c'est effectivement pour ça que la société que M. Atebayene à un moment donné a voulu mettre sur pied, n'est-ce pas, a commencé à être une personne, a commencé donc à payer des problèmes. Et vous savez qu'il doit exister une convention entre l'association et la société. C'est elle qui délègue les pouvoirs. C'est l'association qui allait dire, effectivement, nous vous donnons quitus. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on voit bien que la fédération voudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, ce souci-là entre, n'est-ce pas, l'association et la structure commerciale. Parce que lorsque vous avez les pleins pouvoirs, vous savez avec qui vous devez signer le contrat. Donc vous êtes vous comprenez? Donc la convention qui doit exister, vous savez, si vous dirigez l'association, c'est vous qui donnez le rythme, n'est-ce pas, ou le ton avec la société qui doit défendre l'aspect commercial. Donc, pour nous, je pense que lorsque... une convention doit exister. C'est pour ça que je voudrais dire que... C'est du ressort de la Ligue. Oui. C'est la Ligue qui a créé ça et c'est encore une incohérence. Vous savez que tout de suite, si vous allez voir, même dans les documents de la fédération envoyés au club, vous constaterez que, n'est-ce pas, ils ont dit qu'il doit y avoir une convention type entre l'association et
la société. Maintenant, s'il faut parler de plein pouvoir, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens ont l'impression que, comme je ne me fais pas beaucoup voir, c'est que je n'ai pas de plein pouvoir. Non. Allez demander au président du conseil d'administration ou alors l'ensemble, on vous dira que celui qui prend la plupart des décisions de tout ça, en dehors des résolutions, n'est-ce pas, des sessions de conseil d'administration, c'est le directeur général. Moi, on ne vous voit pas comprenez? Beaucoup. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je vous dis que vous ne me voyez pas beaucoup. On ne vous voit pas beaucoup. Vous ne voyez pas beaucoup, effectivement. C'est pour ça donc que les gens ont l'impression que mes pouvoirs, je les délègue. Non. Chaque fois que vous irez au siège, allez là-bas, on va vous dire que lorsqu'il y a quelque chose, on me téléphone, je donne les orientations et on les applique. Voilà vous qui est bien dit, on se rend... Tout à fait, vous verrez que même lorsqu'il fallait toucher l'argent à la Ligue, c'est moi qui déléguais toujours, n'est-ce pas, le directeur financier qui se faisait accompagner parfois par celui qui est chargé. Donc, il faut comprendre qu'au sein du canon, nous avons une gestion d'équipe professionnelle. C'est parce que moi, j'ai l'impression que les gens, à l'observation, voient monsieur le président du conseil d'administration, c'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime être sur le terrain. Mais toutes les décisions, je vous dis encore... Et c'est en collégialité. Voilà qui est bien dit. C'est ça qui est la bonne information. N'est-ce pas ce qui évolue par le conseil d'administration. Coach Atanangandi, vous êtes entraîneur. Sur le terrain, ça commence à avancer. Il y a un nouveau staff technique amené par Stéphane Djanangono. Et on se rend à l'évidence qu'il travaille à un rythme d'une séance d'entraînement du côté du stade du camp SIC de Mendon. C'est déjà bien pour qu'on ait démarré sur le terrain parce que ça ne va pas tarder à démarrer d'un moment à l'autre, coach Grégoire Atanangandi. Oui, vous savez, nous les entraîneurs, c'est le terrain, c'est la vraie réalité. Au-delà de tous les guéguets qu'il peut avoir au-dessus, toutes les dispositions qu'on peut prendre, comme le DG le disait, c'est le terrain, la réalité. Et puis, ici, je profite pour l'occasion pour souhaiter une très bonne saison et beaucoup de réussite au coach Stéphane Djanangono, qui est un ami, un grand frère, et aussi à le reste de son staff. Vous savez, j'aime pas trop parler du canon parce que je suis canonnier. Dans l'âme. Ouais, donc, pour moi, tout il faut en parler, c'est parce que vous êtes là que vous êtes canonnier de souche. À chaque fois que je. Vous avez même manqué d'entraîner canon la saison dernière. Je vois une information sur canon. Mes prières, c'est que la maison canon puisse retrouver cette stabilité, cette sérénité. Et c'est ça qui va permettre à ce que ça va faire revenir tout ce beau monde que, étant tout jeune, je voyais autour du canon. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire. Le canon est pauvre de ses membres et c'est tout ce que je peux souhaiter. Bon, le directeur général est là et bon. Rappelons que c'est un ancien président des supporters du canon de Yaoundé. Voilà, puisque moi-même, j'ai vu beaucoup de fois à l'œuvre, je sais de quoi il parle. Donc, mon souhait, c'est que le canon redevienne ce canon que moi j'ai connu depuis ma jeunesse. On va renverser la pyramide et ça nous permet un peu de rentrer dans les problèmes de la Ligue et de la Fédération. Le débat est là. Ça marche, ça bagarre, ça bouscule. Jeudi dernier, du côté de la fédération parle en trimestre du président du CTT à Rémy d'échecs de pratiquement 4 millions de francs CFA au président du club. Mais il n'y a que deux présidents qui étaient présents, le président Comemax et le capitaine Futur. Mais à côté de ça, les clubs étaient représentés. Un chèque de 72 millions de francs CFA. Pour les clubs de Ligue 1, en rappelant que pour les clubs de Ligue 2, ce sera incessamment. Est-ce qu'avec le concours du réalisateur de l'autre côté, Dieu béni, on peut avoir cette réaction du président du CTT de la FECAFOOT après cette cérémonie de remise de ces chèques à ces différents clubs du côté de la fédération? On va prendre Alim Konaté qui explique, qui revient sur les motivations. On prend cet extrait de la FECAFOOT et on se retrouve derrière. Club de première division. Elite One, donc il y a 18 clubs et c'est pour aider les clubs à faire face aux préparatifs des démarrages de la saison 2019-2020. Vous savez qu'on est à une étape où les clubs ont beaucoup de formalités administratives, de recrutement de joueurs, donc c'est une manière pour nous de leur apporter ma construction aussi modeste que soit. Alors, présent, on a dénombré dans la salle moins d'une dizaine de clubs. Oui, mais vous savez très bien que les présidents de clubs sont dans une phase de préparation, ils ne sont pas tous disponibles, ils ont envoyé pour certains des représentants, mais croyez-moi, ils vont tous récupérer leur chèque aujourd'hui. Pour le cas de Elite Tour, la cérémonie est prévue dans les tout prochains jours, bien entendu, nous serons là. Yes.
bien dit, vous, comme vous avez suivi Jacques-Édouard Niobert, on a envie de vous poser cette question. La fédération et sa fille aînée, c'est le divorce est consommé. En ce moment, avec cette remise d'échecs, on comprend que la fédération est passée à l'offensive et que le 18 prochain, peut-être c'est elle qui va devoir contrôler, alors qu'en face, il y a le général Pierre Semeng qui demande aux uns aux autres de s'astreindre et de prendre cet argent donné par la Fédération Camerounaise de football. Comment on comprend cette situation? Ben, la Fédération est passée vraiment à l'offensive. C'est-à-dire qu'elle est dans sa logique de récupérer ses compétences, c'est-à-dire la compétence de gestion du football professionnel. Parce qu'effectivement, avant, c'était elle qui le faisait. Et maintenant, avec l'avènement de la Ligue, on a transféré ses compétences. Maintenant, avec cette nouvelle fédération, on récupère ses compétences. Et comme ça cause problème, on décide d'aller très vite. Et au niveau des présidents de club, la meilleure façon de les coincer... Ils en ont besoin. Non, à leur niveau, la meilleure façon de les coincer, c'est de donner le Fabio. Le Fabio est là. Donc, venez vite prendre. Ils sont venus, effectivement. Et j'ai envie de vous relancer un peu, Jacques-Édouard Niobert. Ils ont annoncé en triomphe, en pompe, mais on se rend à l'évidence. Est-ce que ce n'est pas l'esbrouf qu'on donne 72 millions au club de Ligue 1? Maintenant, les clubs de Ligue 2, que feront-ils alors que les dates sont connues par rapport au lancement de cette saison? Est-ce que ça ne devait pas se faire communément, Jacques-Édouard Niobert? C'est peut-être ça dépend de leur disponibilité financière. Vous savez qu'il y a encore des tensions de trésorerie là-bas. L'argent n'entre pas comme ça entrait dans le temps. Donc c'est sûr qu'ils doivent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège quelque part? Non, c'est sûr qu'ils doivent avoir une transaction et laquelle transaction n'est pas encore là. Et il faut attendre encore de ce côté. Mais ce qui est clair, ils sont dans une logique où il faut coincer les clubs et les avoir avec eux. Parce que là, il y a une guerre. Les clubs sont soit entre eux, avec eux, soit avec le général. Alors, il fallait trouver une stratégie, et la meilleure stratégie du fédéral, c'est de leur donner le Fafio, et le Fafio est tombé. Monsieur maintenant, le simple fait que les présidents eux-mêmes ne viennent pas, ça me laisse un peu mitigé. C'est-à-dire qu'on sent... D'un côté, on voit le président comme un max, voit le président futur, mais le reste on n'a même pas vu le canon de Yaoundé qui reste est représenté ici par son DG. Le DG du canon n'était pas là-bas. Des gens qui n'existaient même pas dans le club. Le DG du canon n'était pas là-bas, le PCA du canon n'était pas là-bas. Ça fait un problème. Ça veut dire qu'il y a Guy Souroche. Ça veut dire que la plupart de ces hommes-là sont encore acquis à la cause du général. Et ils attendent impatiemment... Parce qu'ils sont dans les tribunaux aussi. Ils attendent impatiemment les résultats de la juridiction compétente. C'est-à-dire que la CCA doit se prononcer avant qu'eux ne choisissent effectivement leur camp. Ils sont là comme des caméléons. C'est-à-dire qu'on vous donne le gombo là maintenant, vous prenez. Maintenant, si demain, texte est du côté du général, on va directement vers eux. Mais ce n'est pas logique. C'est pourquoi, au niveau de notre gouvernance ici, la gouvernance de notre football, vraiment, on est tellement en situation difficile. On a des manquements graves. Vous êtes ligue. Il y a une situation comme celle-ci qui est déjà au-devant de la scène. Vous êtes président de club comme membre de la ligue. C'est à vous qu'appartient la ligue. Dès le moment qu'il y a eu une telle situation, regroupez-vous et donnez une position officielle. Est-ce que nous allons vers celui qui a retiré les compétences de la gestion du football professionnel? Est-ce que nous restons vers l'institution que nous-mêmes on a constituée, où il y a tous les statuts qui sont toujours en place? À vous de vous décider et de vous prononcer. Mais là où vous êtes là comme des caméléons, ou parce que l'argent est venu, avec les 2 millions ou les 4 millions qui vont tomber là, ça va entrer dans leur poche, peut-être que c'est pour leur propre... Est-ce que c'est à la fédération de donner des moyens de subsistance au club? Parce non. qu'on fait savoir que la c'est 4 millions, c'est pour recruter les joueurs, c'est pour préparer la saison. La fédération est dans son optique de récupérer la gestion du football professionnel. C'est pour ça qu'ils font dans leur stratégie, il faut donc commencer à montrer des preuves que nous sommes partants pour que nous changions les donnes. La donne n'est plus la même. Nous apportons notre griffe. Et cette griffe, alors on déclenche. Le comité en question est déjà en action et vivement que ça puisse avoir, disons, l'aval de tous ces présidents de club. Mais curieusement, avec ce qui s'est passé là, il n'y a pas encore l'aval de ces présidents de club. Châtelain, ceux-là, ils ne sont pas partants. On n'a pas aperçu le canon de Yaoundé, mais
Est-ce que c'est pas une mais réponse à la question? Est-ce que c'est pas une réponse à la question de Jacques-Édouard Niobe? Parce qu'en milieu de semaine, le CICEC a désigné ses deux membres, André Noalessian, le PCA de la Colombe, et le président Abunde depuis le budget de Bamenda. Est-ce que c'est pas une manière pour eux de dire, ou encore une manière pour vous de dire, on est OK, c'est désormais la fédération qui va devoir manager le football professionnel à travers son CTT? Non, moi je voudrais qu'on soit logique. On ne peut pas dire que les clubs sont fonctionnels. C'est vrai, peut-être en dehors de ce que nous appelons institutions. Vous savez que nous avons, il y a le volet amateur. Je pense que si la fédération devait... Et surtout que du côté amateur, le canon amateur est forfait. Le président est suspendu pour 5 ans. C'est pour ça que je voulais dire que, au lieu de faire la promotion du football amateur, vous savez, dans les statuts de la fédération, on dit bien que la fédération est chargée de la promotion du football au niveau amateur. Maintenant, la Ligue de football professionnel s'occupe, n'est-ce pas, du volet professionnel. Maintenant, s'il faut aller chercher, on a suspendu la Ligue de football professionnel. Et quand vous allez voir qui est la Ligue de football professionnel, ce sont les clubs. Ce sont les parce clubs. Que pour la plupart, ils sont constitués le conseil d'administration. Vous comprenez? Ce sont les clubs qui sont les membres. Ils sont suspendus. Qui sont les membres de la Ligue. Et donc, lorsque vous suspendez la Ligue de football professionnel, ça veut dire que vous avez suspendu tout ce beau monde-là. C'est comme. J'aime bien dire souvent que lorsque vous dites, quand la FIFA suspend le Cameroun, la Fédération Camerounaise de football, est-ce que les clubs camerounais vont encore jouer à l'étranger? Tout ce que vous allez faire là, c'est pour vous. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que la fédération décide de nous donner les moyens. Non, peut-être que c'est au volet association. Oui, parce que nous sommes membres là-bas. Si c'est du côté associatif, c'est normal que le président Emmanuel Véa aille de ce côté. Puisque si vous parlez du comité technique, de transition technique ou quoi, ça veut dire que vous n'avez pas remis la Ligue. Ça veut dire qu'en filigrane, vous avez voulu vous occuper du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. C'est pour ça qu'ils ont créé l'honneur à l'intérieur de la fédération. Le CTT est en principe l'organe de gestion transitoire. L'organe administratif. Voilà, donc l'organe administratif. Sur deux ans aussi. Sur deux ans. Vous vous imaginez donc que les gens sont en train de jouer avec les mots, ils avaient un problème personnel avec le général. Parce que si vous parlez de la Ligue de football, sachez que vous nous avez suspendu. Est-ce que le général va abdiquer? On annonce le démarrage de la saison pour le 18. Moi, ne va pas vers un autre sport. Oui, avec des clubs suspendus. Avec des clubs suspendus, parce que ceux qui ne savent pas, ce sont les juristes. Ils doivent savoir que pour réhabiliter, il faudrait un acte qui réhabilite, n'est-ce pas, ces clubs-là. Nous, le volet associatif existe à la fédération, mais comme nous avons cédé, n'est-ce pas, ce pan professionnel à une entité commerciale, et que vous avez décidé de suspendre. Et d'ailleurs, vous savez que la Ligue de football a une assemblée générale. Vous comprenez qu'il est constitué de clubs et un conseil d'administration. Donc le CTT, qui est une commission technique transitoire sur deux ans, et effectivement, l'organe... Est-ce qu'il n'y a pas l'esprouf quelque part? C'est donc pour ça qu'on parle de l'esprouf. Donc maintenant, on parlait de l'argent. Lorsqu'on vient de donner de l'argent, d'où sort l'argent? C'est quoi cette histoire où la Fédération Camerounaise de football... Parce qu'on a dit on donne d'abord les 4 millions, après on vient donner de l'argent aux structures commerciales. C'est quoi? C'est une subvention? C'est un don? C'est un leg? Je ne sais pas. Il faudrait qu'ils nous disent. C'est quoi exactement? Je dis qu'il faut être pointillé sur tout ce que l'on et fait. Et on a vu parce la dernière sortie générale Pierre Séméguy. Le cadre juridique de cet argent-là, il faut nous expliquer. Il faut bien encadrer. Si c'est vous, si vous avez dit que c'est pour l'association, oui. Alors, si c'est pour les entités commerciales, c'est quoi? C'est des dons? C'est des subventions? C'est quoi? Ils n'ont jamais précisé. On doit poser toutes ces questions. Et à la fin, on va se retrouver avec les gens. On va dire que vous devez de l'argent. On doit de l'argent. Est-ce qu'on vous a demandé? Est-ce qu'on est venu faire un emprunt chez vous? Vous avez fait quoi? Donc, il faudrait qu'ils expliquent. Donc, pour nous, c'est les esprouf. Et nous avons dit aujourd'hui que nous ne comprenons pas. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en tant que directeur général, je serais allé prendre un argent. Donne-moi, je n'ai même pas fait la demande. Hein? Si vous avez dit que c'est la donc, c'est compliqué. Dites-nous que nous subventionnons. Est-ce qu'on va pouvoir jouer cette saison à cet état de choses? Parce que c'est communiqué contre communiqué, c'est acte après acte, ça devient très compliqué lorsque les adhérents. Mais tu as autorisé quelqu'un d'aller prendre ça? Non, je dis personne n'a pris l'argent du canon. Ça, c'est l'esprit. Non. Je vous dis encore que le canon ne saurait prendre un argent qui ne donne pas. On va avancer sur le terrain, on va donner la parole au technicien. Quel est, n'est-ce pas, l'objet de cet argent-là? C'est quoi? C'est une subvention? C'est un prêt? Il faudrait qu'on nous dise. Grégoire Tanangan dit, lorsqu'on voit cette bagarre des éléphants, on dit le plus souvent sont les zèbres qui souffrent, donc sont ces enfants que vous entraînez du côté de Fortuna, bien que vous n'êtes plus
que David Pagou vient de prendre du côté de PWT Bamenda. Il est arrivé en début de semaine que, par exemple, APGS qui s'apprête à relancer sans son entraîneur Omar Ousokba qui a été suspendu, que Eding Sport qui a tenu son assemblée générale la semaine dernière du côté de Ngoya, ce n'était que comme ça. Et pour jouer, on devrait attendre encore longtemps. Vous savez, Daniel Fils, quand je suis rentré dans ce studio, j'ai posé la question au grand frère et père Niobert, qu'est-ce que nous allons sortir de l'auberge? Il m'a dit, il ne pense pas. Vous savez, dans une cérémonie familiale, lorsque vous avez un fils, un frère, un parent qui se marie, le jour qui signe son acte de mariage à la mairie, généralement, c'est les invités, la présence de la qualité des invités et des membres de la famille. Quand vous voyez des oncles, des grands frères, vous voyez la qualité du panel qui est présent à cette cérémonie, vous vous dites intérieurement que c'est une cérémonie qui sera belle parce que tout le monde est présent et tout le monde est en train de donner sa bénédiction. Quand j'ai vu la photo de famille de remise du chèque qui a lieu aujourd'hui à la fédération, vous avez je me suis compris posé que beaucoup de questions. Parce que deux présidents sur 18. Parce que deux présidents sur 18, ça, qu'est-ce que ça cache? Et ça ne fait que nous, moi en tant que technicien, dire cette histoire-ci, je pense que, bon, comme l'a si bien dit, c'est un président. Quand on parle de Gombo, vous savez, c'est les gens qui ont les problèmes d'hétérosurie, vont. Mais après, si à l'instant ou demain ou après-demain, la CCA donne raison au général, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on devait attendre un peu. Pour moi, je pense que la fédération ne devait pas procéder ainsi. La fédération devait demander au CIEC, qui est CISEC. Le CISEC, de donner sa position. Right. Par rapport à la situation. Mais ils ont mis Abunde, ils ont mis. Mais qui a mis? Je pense que. Je sais pas. Je crois avoir lu un jour quelque part, venant du président du Colombe et de Saint-Milema, le maire André Noël-Essian, qui avait dit, même s'il est dans le CTT, cela ne l'empêche pas que même s'il y a 10 votes, il va voter le général 10 fois. Ça veut dire qu'il est là, il connaît, déjà tout le monde connaît sa position. C'est un homme politique. Donc c'est pour dire que moi je pense que le CISEC devait se prononcer de façon officielle, que voilà notre position. Et comme vous, parce que les présidents fuient ce débat-là. Voilà, vous voyez le DG Châtelain. Et sur le terrain, les enfants souffrent. Les enfants souffrent. Je vous le dis, les enfants souffrent parce que aujourd'hui, c'est un président même. Vous voyez les clubs qui vont reprendre les entraînements lundi. D'autres qui ont repris ce lundi passé. Pagou a commencé mardi. Oui, parce que dans cette bagarre, seuls eux-mêmes savent quand est-ce que la compétition peut démarrer. Et puis, il faut pas qu'on se leurre. Vous savez, beaucoup de ces présidents reconnaissent aujourd'hui, malgré le bâtissement de la Ligue, les efforts du général. Beaucoup reconnaissent. Et comme l'a si bien dit le DG, cet argent-là, c'est quoi? On a dit qu'il faut que les équipes préparent, recrutent nos joueurs, préparent quoi, le début de saison. On vous donnera combien? Le DG peut classer ça quelque part, peut qualifier de quoi il s'agit. Donc nous, non, mais c'est pas à nous, c'est à eux de nous dire, parce que nous n'avons jamais fait la demande. Vous avez suivi Alim Konaté tout à l'heure. Nous n'avons jamais fait la demande, n'est-ce pas, d'apport d'argent, jamais. Pour dire que nous sommes venus faire un emprunt. Si on nous dit que c'est un emprunt, c'est une subvention, est-ce que nous avons demandé à être subventionnés? Que non. Il faut comprendre que. Donc c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Même au niveau de la Ligue de football professionnel, lorsqu'on a souvent eu de l'argent, on nous a souvent dit que c'est pour le paiement. Pour chuter. Vous voyez, après cet argent, j'ai cru entendre les présidents dire le CTT, c'est-à-dire via la fédération, a dit au président du club que chaque fin du mois, ils paieront 18 joueurs. Est-ce qu'une équipe de football est constituée de 18 joueurs? Qu'est-ce qu'on fait des autres? On va payer 3 entraîneurs. Est-ce qu'un staff est constitué de 3 entraîneurs? Je pense que tout cette. Il faut définir les contours. Il faut vraiment. Et lorsqu'on sait que le Cameroun s'apprête à organiser le CHAN et la CAN, ce sera très compliqué sur le terrain. Aujourd'hui, tous les joueurs sont expatriés.
même chez les U17. On en parlera tout à l'heure, mais on va avancer. On va parler de l'Académie nationale de football. Et c'est le conseil d'administration, le deuxième conseil d'administration extraordinaire qui s'est tenu mardi dernier au siège, à l'ancien siège de la Confédération africaine de football, managé par le PCA Issa Ayatou. Il était question d'arrimer les textes de la NAFOOT au dernier décret de juin 2019 du chef de l'État par rapport à ces différentes structures. Et Marina Corvina, notre consoeur, a suivi ces travaux de ce côté du centre-ville. Elle fait le point et on se retrouve derrière. L'Académie nationale de football a tenu il y a 24 heures la deuxième session extraordinaire de son conseil d'administration, présidée par son PCA, Issa Ayatou. Celle-ci avait pour objectif l'arrimage de l'instance au décret présidentiel. Être conforme à la norme établie en étant pour l'État du Cameroun une structure de l'avenir du football. Mise à jour, le texte de la NAFOOT, conformément au décret numéro 2019/320 et 2019/322 du 19 juin 2019. En effet, le 19 juin 2018, le chef de l'État a signé trois décrets, dont deux concernent le stade public. Et le troisième, pour les entreprises. Ce dernier précise les modalités d'application de certaines dispositions du droit de 2017. Pour le directeur général de la NAFOOT, Karl Nungachu, il s'agira pour eux d'améliorer le fonctionnement de la dite académie ainsi qu'au niveau de l'entraînement des jeunes. Un conseil d'administration satisfaisant pour toutes les parties représentées. Voilà qui est bien dit par notre consoeur Marina Kogbina qui a suivi ses travaux. Jacques-Edouard Niobert, on parle de l'Académie nationale de football et de ce côté, ils aiment bien faire ce que vous aimez. On arrime l'arrimage, ça veut dire que le chef de l'État a fait une sortie, a signé un décret et eux, ils ont constaté qu'ils étaient en retard par rapport au décret. Il fallait s'arrimer. Tout à fait normal. L'établissement public et surtout, il y a ce problème de chevauchement de compétences entre le PCA et le directeur général. Donc, il fallait revenir là-dessus. Et j'ai bien apprécié cela parce qu'il faudrait comprendre cette fois-ci le rôle de tout un chacun. Et j'ai toujours été contre ce chevauchement de compétences. C'est pourquoi vous m'avez vu interpeller Châtelain tout de suite parce qu'ils sont dans cette logique. Un président est toujours Manitou. Le président n'est pas Manitou. Le président, dans son rôle, attend son intervention aux instances de décision. C'est une instance d'administration. Il est responsable de l'instance d'administration. Ça veut dire qu'il est président du conseil d'administration. Il lui revient tout simplement de contrôler, d'évaluer le niveau de travail qui se fait au niveau de la direction générale. Et c'est le directeur général qui a la lourde charge de gérer au quotidien l'institution. C'est de ça qu'il s'agit et c'est pourquoi le texte du président est allé très clairement dans ce sens. Il fallait que la NAFOOT s'arrime tout aussi à cela. Un directeur général est le patron de l'instance de gestion. Un président du conseil d'administration est le patron de l'instance d'administration. Et l'instance d'administration a un rôle régalien, celui de contrôler l'action de la direction générale et de décider et délègue ses pouvoirs donc maintenant au quotidien au directeur général. Ce qui était souvent un manquement, où on voit toujours un président qui est là, qui fait tout. C'est lui qui est même en train de... Mais non, c'est incohérent. C'est même la même chose qui se passe au niveau de l'Africa Foot. On va y arriver. Le président de l'Africa Foot ne doit pas s'ingérer au quotidien dans les attributions du secrétaire général. C'est le secrétaire général qui a la responsabilité de gérer l'institution au quotidien. Et celui-ci doit rendre donc compte à l'instance de décision qui est le conseil d'administration ou alors le comité exécutif au niveau de la fédération et plus tard au niveau d'une assemblée générale qui légifère. Voilà qui c'est est de ça qu'il s'agit. Châtelain Kono, du côté de la NAFOOT, on est en droite ligne avec, on va dire, les désidérata, avec les lois de la République, avec
l'esprit du chef de l'État, si on peut se le dire ainsi. Il faut dire que dans chaque organisation, il faut respecter, n'est-ce pas, l'organisation. Vous ne saurez être en marge si déjà pour créer l'ANAFOOT, c'est un décret chef de l'État qui avait pris des décrets, n'est-ce pas, pour le fonctionnement et à un moment donné revenu dessus pour véritablement permettre que l'on ait une gestion telle qu'une structure, n'est-ce pas, publique, a bien voulu que tout le monde soit en phase. Aujourd'hui, il fallait bien que le conseil d'administration se réunisse afin de, n'est-ce pas, d'arrimer tout cet ensemble-là à ce décret du chef de l'État. Moi, je pense que lorsqu'on veut avoir une bonne organisation, on est dans l'obligation de respecter ce qui a été édicté. Donc moi, je n'ai pas de souci à ce niveau. C'est pour ça que nous avons dit que toutes les structures sportives que nous dirigeons aujourd'hui essaient de fonctionner selon la norme qui veut que le conseil d'administration soit effectivement pour contrôler les décisions, n'est-ce pas, prises. Et maintenant, nous, au niveau de terrain, nous qui sommes les structures opérationnelles, que nous fassions, n'est-ce pas, ce qui se doit sur le terrain et puis que nous puissions rendre compte de ce côté-là. Donc si, du côté de l'ANAFOOT, on y pense, je pense que c'est une très bonne chose et on espère que M. Kale Nungashu maintenant aura les mains libres pour pouvoir prendre certaines décisions. Coach Grégoire Tanangandi sur le terrain, on se pose toujours les questions. On a vu le jeune qui allait du côté de Manchester City, une joueuse qui allait au Paris Saint-Germain. Mais ça tarde à décoller, ça tarde à trouver véritablement une certaine structure pour qu'on commence à voir les premiers fruits véritables d'ici 2-3 ans de cette Académie nationale de football. Pourquoi ça traîne au niveau? On avait parlé du centre technique, sans les séances de la CAF, à un moment, on a parlé de plusieurs structures. Tant qu'on n'a pas cette structure, est-ce qu'on peut se dire qu'on a déjà le produit à main? Non, moi je pense que Daniel Fils, l'expérience que j'ai dans le football, tout ce qui va lentement, va sûrement. Vous savez, généralement, tous les projets qui sont arrivés avec du bling-bling, ça, on a déjà les locaux, les joueurs sont déjà logés, les enfants sont bien habillés. Pour finir, c'est des structures qui ne mettent pas long. Je pense que la NAFOOT est en train de poser ses bases et je reste convaincu qu'ils sont sur le bon chemin. Vous voyez, je dis souvent à quelqu'un, je dis, dans 5 ans, dans 6 ans, maxi dans 7 ans, le championnat camerounais sera beaucoup plus attrayant parce que... Avec ses joyaux, ses infrastructures, voilà, stade Olimbé, stade des Japonais, les stades un peu partout. Je pense que... On pourra jouer en nocturne, on pourra devenir un véritable business. Vous savez, au départ, ils avaient pour objectif de créer un centre national, mais au vu des moyens, ils ont pallié à ils ont trouvé une autre façon de faire, c'est-à-dire regrouper ces jeunes tous les périodes de congé pour une certaine évaluation. C'est une autre méthode. Tout en attendant que, progressivement, qu'ils puissent avoir leurs propres installations pour pouvoir créer ce centre d'entraînement. Et je pense donc, gardons notre mal en patience. Oui. Gardons notre mal en patience parce que à la tête de cette structure, c'est des hommes sérieux. C'est des hommes de terrain. Les hommes de terrain. Issa Yato, Inongachou, le docteur Alois Mijene. Progressivement. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette structure puisse fonctionner pour nous qui sommes là aujourd'hui, pour ceux qui viendront après nous, et ainsi de suite. On va dire beaucoup de courage à cette jeune structure qui est l'Académie nationale de football, et on sait que ce sont les hommes de devoir qui sont à la tête de cette structure, choisis par le chef de l'État. Donc, ils auront des comptes à rendre, et surtout, ils connaissent qu'ils ont simplement, ils sont attendus au carrefour. Donc, pour cela, il faut se battre, il faut se structurer, surtout, il faut mettre une base solide avant de véritablement décoller. On va actuellement parler de la Champions League européenne. On s'est rendu à l'évidence que ça fait la une depuis mercredi dernier avec cette victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 sur le Real de Madrid avec Manier. On a vu Di Maria qui a amené ses troupes et surtout ce milieu de terrain sénégalais de l'équipe de France. On en parle un peu partout. On dit qu'on n'a plus besoin de N'Golo Kanté parce qu'à travers ces rencontres, on a découvert un nouveau N'Golo Kanté coach. Grégoire Atanangandi, vous avez suivi ce match. On voit l'équipe qui titre. L'Europe est prévenue. Quelques titres comme ça, des titres pompeux après cette victoire de la formation du Paris Saint-Germain. Vous savez, moi, j'ai ma façon à moi de regarder différemment les matchs. Une victoire de Paris Saint-Germain sur le Real, pour moi, je trouve que c'est écologique parce que quand vous arrivez dans le Paris Saint-Germain, ces jours-ci, ces années, vous savez automatiquement c'est pour venir gagner la C1. C'est pas pour venir gagner le premier match. Donc, le Paris Saint-Germain, gagner le Real, c'est bien, mais l'objectif qui lui est assigné, c'est de remporter la C1. Donc, Idrissa Gueye qui aujourd'hui, comparé à tous ceux-là qui ont déjà fait les preuves... Après un match. Après un match...
Je dis toujours, il faut prendre un peu le mal à patience parce que j'en connais beaucoup de joueurs qui ont fait comme lui. Après, on ne les a plus revus. Donc moi, je pense que c'est toujours bien de gagner. C'était important pour le Paris Saint-Germain qui sort d'un début de saison difficile avec beaucoup de critiques et gagner le Real. C'est vrai, je ne suis pas supporter du Real, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais la victoire du Paris Saint-Germain était prédite avant au vu des joueurs blessés que le Real avait. Et le Paris a su profiter. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est vivement qu'ils fassent une très bonne compétition et qu'au bout... On a quand même vu l'entrée de notre compatriote et Eric Maxime Choupo-Moting à cette 60e minute qui aura contribué à cette victoire de la formation du Paris Saint-Germain. C'est toujours de bien pour cette équipe de l'étranger. C'est toujours de bien. Moi, je dis logiquement, quand je suis les médias de l'étranger et les médias de nationaux, c'est un garçon qui n'est pas beaucoup, comment je peux dire, soutenu. Parce que je prends quand un journaliste de l'autre côté dit une bêtise, le concernant, rapidement on retrouve ça dans les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas ce qui devait être fait. Parce que je dis toujours, le cas Maxime Choupo au niveau du pays doit être géré comme vous avez géré le cas Clinton Jay. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous avez fait bloc. Parce qu'aujourd'hui, Choupo, il suffit qu'il fasse une bêtise. Les mêmes journalistes, vos confrères vont remettre ça sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'il fait un bon match, les mêmes confrères disent que non, c'est pas sur un match qu'on le juge, on attend le match contre tel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a Samuel Eto'o. Pourquoi il a cette pression? Pourquoi il a autant de pression dans cette équipe du Paris Saint-Germain? Non, il n'a pas de pression. Je vous dis, c'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire. Il n'y a pas de pression. Et puis, on l'a vu 3 buts en 4 sur les 4 derniers matchs. Je vais vous donner une précision. Les joueurs professionnels de haut niveau, je peux me tromper, les confrères vont, les panélistes vont me le dire, c'est des joueurs qui lisent rarement les réseaux sociaux, qui suivent rarement les émissions de sport. Parce qu'ils évitent tout ce genre de pression. Parce qu'il suffit d'une une mauvaise information, ça vous met dans un autre état. Et j'ai dit aujourd'hui, avec la prise en retrait de Samuel Eto'o, logiquement, c'est Choupo. On doit soutenir. Parce que Vincent Boubacar est en difficulté Du côté de Porto. Donc, c'est un peu ça. À chaque fois qu'il va sur le terrain, mon souhait, c'est qu'il fasse, même si c'est en 10 minutes, qu'il fasse une bonne entrée et qu'il puisse être revalorisé comme on l'attend, quoi. Et Jacques-Edouard Niobe, on va quand même regarder quelques résultats à nous présenter de l'autre côté. On va rapidement fouiner. On a l'Inter de Milan qui est le Slavia qui font un jeu égal, un but partout. L'Olympique Lyonnais 1, le Zénith de Saint-Pétersbourg 1. Ça, c'est pour les matchs qui sont disputés mardi dernier. Napoli 2, Liverpool 0. Liverpool qui est le détenteur du trophée. Que s'est-il passé avec Joël Diop-Matip dans cet axe? Et Salzbourg de Jérôme Onguéni s'impose. Lamine, le Racing de Genk sur le score sans appel de 6 but contre 2. Toujours Dortmund et Barcelone, ce n'est pas 12 à 2, 0 but partout. Benfica 1, Leipzig 2, Chelsea 0, Valence 1. Ajax d'Amsterdam d'André Onana s'impose 3 buts à 0. Et les rencontres qui sont disputées mercredi dernier, toujours pour cette Champions League, le Club Bruges et Galatasaray sont séparés 12 à 2. 0 but partout, l'Olympiakos, le Pirée et Tottenham pour un jeu égal, 2 buts partout, alors que Tottenham a mené 2-0 dans cette rencontre. On a le Paris Saint-Germain qui est le Real de Madrid, 3 buts à 0. Bayern se balade face à la formation de Krasnodar. On a Dynamo Zagreb qui s'impose 4 buts à 0 face à Atlanta. Shakhtar Donetsk s'incline 0 buts contre 3 face à Manchester City. Leverkusen s'incline 1 but contre 2 face au Lokomotiv de Moscou. L'Atlético de Madrid et Juventus font jeu égal 2 buts partout. Un commentaire rapide sur cette première journée de la phase de groupe ou encore de la phase de poule de la Champions League européenne. Et chez moi, je n'ai pu regarder que le match de Bayern. Hein. Et vous semblez dire qu'elle a eu le dessus sur... Bayern s'est imposé 3 buts à 0 face à 0. À une équipe. J'ai vu plutôt un match équilibré, tellement équilibré, parce que les Bulgares étaient dans le match, mais curieusement ont encaissé deux buts à contre-temps. Ça veut dire que... Une naïveté. Par naïveté, surtout un but, je crois le deuxième but, le défenseur défend, en fait, veut sortir le ballon. Et c'est là où son adversaire récupère ce ballon à la dernière minute et le met dans le camp. Non. Pour moi, ce championnat, ça ne m'intéresse pas.
ça ne m'intéresse pas parce que très concentré dans le football national, je préfère regarder parce que je regarde quand mais aujourd'hui les médias ont pratiquement phagocyté tout le monde veut envie de regarder match ouais, on a cette tendance envie d'en parler a, ça bon, devient compliqué quel que soit le cas, me voici, je ne suis pas intéressé mais j'ai vu quand même un match mais c'est pour dire que on a un très grand gap entre notre football et le football des Blancs. Et ça me complexe. Je suis souvent dans un complexe d'infériorité que le fait de toujours regarder ça là-bas, ça me dit, mais attends, chez nous, on ne bouge pas. Parce que je me rappelle des discussions que j'ai souvent avec le coach Bertin Ewane. Bertin Ewane. Voilà, où je leur dis que vraiment, parce que je suis de ceux-là, qui n'est pas favorable à notre football tel que nous le développons ici sur le plan d'entraînement. C'est-à-dire que je fustige toujours les entraîneurs locaux parce que quand je vois nos matchs et je vois les matchs de ceux-là, de ce type de championnat, je suis toujours frustré. Je me dis à quand nous arriverons à ce niveau. Et là, ça me ramène forcément à ne plus regarder parce que restant toujours nationaliste que je suis. Mais lorsqu'il n'y a pas de championnat chez nous et que vous êtes nationaliste, ça vous pousse à aller regarder ailleurs. Non, ça m'a donc obligé, par exemple, à regarder ce Bayern-là qui a été retransmis. Mais pour dire simplement que leur football est trop élevé et nous qui rêvons d'atteindre ce niveau, nous ne l'atteindrons jamais. Parce qu'il faut travailler. Parce qu'il faut travailler et ça me complexe. Un complexe d'infériorité. Vraiment, je suis vraiment tellement complexé. Mais si j'ai du temps, je regarde. Mais quand je n'ai pas le temps... Par exemple, j'ai vu des très beaux buts du PSG. Des très beaux buts, ça. Et j'attendais impatiemment que Choupo soit peut-être titulaire avec l'absence des autres. Il y a Icardi qui est arrivé de l'Inter de Milan. Voilà. Et on a suivi... Nous, on suivait le match sur RMC. On a suivi Laurent Blanc qui disait que c'était pratiquement un rêve de retrouver Eric Maxime Choupo-Moting titulaire d'entrée face à une équipe du Real de Madrid, quelque chose qui nous a un peu outré étant dans l'avant-match au Parc des Princes. Alors, c'était parce que Choupo est venu là en situation de défi. Après sa bourde... Après ce ballon raté sur la ligne, il a repris ce championnat de ligue professionnelle avec l'accent de Cavani avec la hargne de vouloir prouver qu'il reste un joueur et il a confirmé et maintenant on va en championnat disons en Ligue des Champions, il n'est pas titulaire, moi ça m'a fait encore un autre genre. Il y a Icardi qui avait déjà disputé 30 minutes avec il est quand même revenu, il a montré encore sa force, tant mieux. Et c'est même ça qui fait l'objet de l'intérêt que nous pouvons voir encore avec ce football international, parce qu'on pense à nos enfants qui doivent aussi justifier de leurs compétences. Il y a André Onana, il y a Jérôme Ongéné. Voilà, André qui continue à confirmer qu'il est l'un des meilleurs gardiens en ce moment. Et moi, ça nous fait plaisir. C'est ça qui peut nous motiver, parce que là, on voit nos enfants. On voit le football, mais pas forcément que c'est le football des Blancs, je dois voir ça, non. Je vois ça occasionnellement. Voilà, qui est bien dit. Mais le DG, lui, doit voir pour prendre peut-être, copier un modèle pour le ramener et l'appliquer dans le canon des Hommes, surtout que c'est un club communautaire. On parle de cette Champions League. Il y a Gana Gueye qui est pratiquement la révélation de cette première journée de la Champions League avec le Paris Saint-Germain. Mais à côté de cela, on a vu ces 30 bonnes minutes d'Éric Maxime Choupo-Moting, Andou Nana qui reste égal à lui-même, Jérôme Ongéné et Salzbourg. Bien que d'entrée, ils sont tombés, la formation de Liverpool et son défenseur central camerounais, Joël Diop-Matip. Un mot quand même pour ces Camerounais, surtout sur cette première journée ensemble. Qu'est-ce que vous aura marqué, M. le directeur général Châtelain-Côte? Non, mais il faut dire que Daniel Fissindjek, quand vous observez un peu la Champions League, là-bas, les premières rencontres, n'est-ce pas, on dit souvent, les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher. Donc je pense que Paris Saint-Germain, lorsque j'ai commencé par exemple par le cas du Paris Saint-Germain, qui peut dominer, qui a dominé le Real de Madrid par 3-0, on a bien vu que là-bas, les gens étaient engagés, ils avaient besoin de démontrer que non, ils ont repris de plus belle encore. Ce n'est pas la première fois, on est déjà habitué à ce genre de résultats. Vous savez, chaque fois qu'on a commencé, n'est-ce pas, la phase de poule, on sait déjà que le Paris Saint-Germain fera partie, n'est-ce pas, des équipes qui vont accéder en huitième de finale. Paris Royal. Mais maintenant, après les huitièmes de finale,
on verra bien. Après les huitièmes, on va atteindre les quarts de finale. Après les quarts de finale, on verra si Paris Saint-Germain aura... Donc, attendons la troisième journée. Oh, nous attendons, n'est-ce pas? Non, pas la troisième journée. Nous attendons, n'est-ce pas, la phase d'éliminatoire. C'est-à-dire que à partir des quarts de finale, pour voir exactement que vaut le Paris Saint-Germain. La pyramide va commencer à se pas, au niveau mondial. Donc, aujourd'hui, parler de Choupo-Moting, oui, il a certes fait beaucoup d'efforts pour rester dans le groupe. Parce qu'il faut comprendre que M. Choupo-Moting était annoncé partout. En Italie. N'est-ce pas? Parce qu'effectivement, Tuchel n'avait pas envie de faire... D'ailleurs, l'ensemble de l'équipe dirigeante avait dit qu'il fallait le mettre sur le marché, n'est-ce pas, des transferts. Mais lors des deux premières journées, il a montré qu'il avait du potentiel. Et je pense que c'est là où il a convaincu l'ensemble des dirigeants pour qu'on puisse le retenir, n'est-ce pas, dans le groupe. Alors, penser qu'il allait commencer effectivement en Champions League comme titulaire, malgré l'absence, n'est-ce pas, de Cavani, de Mbappé, de Neymar, de Mbappé, on a bien vu que, n'est-ce pas, il n'était pas celui sur lequel on compte au niveau de la compétition internationale, c'est-à-dire que la Champions League. Maintenant, si vous allez du côté de Salzbourg, vous allez comprendre que Jérôme Onguen, de ce côté-là, c'est des enfants qui travaillent. Ils font beaucoup leur, n'est-ce pas, ils font beaucoup d'efforts. On voit que c'est un défenseur très rigoureux. Hein, Malgré qu'il n'est pas pris par la dernière, quand on a dit qu'il était encore jeune. Ah non, écoutez, vous savez, ça dépend des conditions. Hein, et vous savez, si vous allez interroger réellement Jérôme Onguen, pourquoi est-ce qu'il n'était pas là-bas, on vous dirait certainement que ce n'était pas des problèmes sportifs. N'est-ce pas, mais Kanagé, cette révélation. Ah non, mais c'est comme tout à l'heure, le coach à Talangan, je le disais. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que Garangé est devenu, n'est-ce pas, un Golo Kanté. Vous-même, vous savez, au cours d'une rencontre, on n'est pas devenu le meilleur milieu récupérateur de l'équipe de France. Qu'on fasse très attention. Écoutez, au cours d'une rencontre, vous ne pouvez pas dire que c'est lui qui se remplace. Vous savez que la presse française est la première. Oui, et vous savez très bien aussi que la presse française essaie bien, n'est-ce pas, faire de la publicité autour d'un joueur. C'est un jeune. Et vous, ce n'est pas comme ici. Certainement, c'est quelqu'un autour de la presse qui a dit on va faire, n'est-ce pas, la part belle à ces jeunes joueurs pour le galvaniser. Mais le comparer à N'Golo Kanté, il faut faire très attention. Quand vous voilà allez voir le vécu, n'est-ce pas, de N'Golo Kanté au niveau de l'équipe de France et partout d'ailleurs, à Chelsea, partout là où il passe, vous allez comprendre que c'est un enfant qui a du potentiel. Maintenant, on laisse le temps à ce jeune prodige, comme il l'appelle aujourd'hui, de nous démontrer de quoi est-ce qu'il est capable dans les tout prochaines rencontres. Donc, moi, je pense que parler d'une révélation aujourd'hui pour une rencontre, c'est tout fait de penser qu'il est déjà ce joueur sur lequel la France peut compter dans les jours à venir. Donc, le reste, en ce qui concerne Liverpool, on a bien compris que... ils ont gagné la Super Coupe maintenant. Oui, mais il faut comprendre que parfois, Liverpool a surpris pendant la compétition antérieure. Et Liverpool est arrivé en finale. Liverpool a pu remporter, même on va dire oui, parce que Liverpool, c'est une équipe qu'on n'attendait pas. Mais cette fois-ci, tout le monde l'attend. Il faut le dire, vous comprenez? Et il faut pouvoir rééditer l'espoir. S'il faut regarder les équipes, vous allez parler de Manchester City, qui est une équipe constante. Aujourd'hui, vous voyez que lorsqu'elle entame sa compétition, on se rend bien compte que c'est une équipe qui reste dans la mouvance de la gagne. Malgré sa défaite en Ligue anglaise, elle est revenue au niveau de l'international en disant « nous devons aller plus loin ». On a bien vu qu'étant à l'extérieur, a pu remporter sa rencontre. Mais vous n'avez pas du Real de Naples et tout ce qui est autour. Vous comprenez que ce sont des équipes qui sont préparées pour dire nous, aujourd'hui, on va entendre parler de nous. Donc, et surtout qu'il y a toujours un offside dans cette compétition. Tout à fait. Donc, véritablement, il faut comprendre que la Champions League va démarrer à partir de la troisième journée. C'est là où on comprendra effectivement qui peut faire quoi. Qui peut faire quoi en espérant que le Real de Madrid et Zinedine Zidane vont relever la tête parce que lui, il est déjà critiqué du côté des médias espagnols. Il ne donne peut-être pas ce qu'on attendait de lui. On sait qu'on a gardé une bonne image de ce ballon d'or, de cet ancien vainqueur de la Coupe du Monde. Ah Zizou, pourquoi toi? On ne reviendra pas sur cette malheureuse scène. En finale, Grégoire Tanangan dit on revient chez nous à la maison, on va parler de l'Afrique, Champions League africaine. Et le TAS a confirmé la décision et le comité exécutif de la CAF vient de confirmer cette décision. L'Espérance de Tunis est champion 2017-2018, coach Grégoire Tanangan dit. Oui, moi je pense que c'est une décision logique parce que j'ai eu la chance de regarder ce match et les Marocains se sont comportés ce jour-là. Comme si c'est qui gérait la CAF. Non, ça ne... c'est une mauvaise image pour l'Afrique. Parce que si encore à ce niveau, les gens se comportent comme les Marocains se sont comportés, je pense que ce n'est pas normal. Et nous tous,
aussi bien que moi, vous savez pourquoi est-ce que les Marocains... La Champions League précédente, ils ont tellement dérangé tous les clubs marocains. On a suspendu Faïs Souma, combien de réhabilités. On a suspendu l'arbitre égyptien. Toujours les matchs marocains parce que le président qui gérait la commission, le vice-président, l'un des vice-présidents de la CAF, le président de Bergan, où Ken Guladieu vient de signer, c'est quelqu'un qui est très influent au niveau de la commission de désignation des arbitres. Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse ce genre de passion. Et je pense que c'est une décision logique. Et sérénement... La compétition qui a repris, mais on se posait toujours les questions, est-ce qu'on va déclarer cette équipe? On sait que Francom, notre compatriote, était champion d'Afrique, ou encore vainqueur de cette Champions League avec l'Espérance, mais il avait déjà fêté, il avait déjà sa médaille, et que des soupçons ou encore d'aucuns estimaient qu'il fallait ramener cette médaille, c'était très compliqué. Maintenant que le comité exécutif en a décidé, on va simplement se plier à cette décision, et cette phase a déjà démarré. On reviendra sur les résultats des clubs comme Oroya et bien d'autres qui ont disputé des rencontres en début de semaine, surtout qu'on est en train d'arrimer désormais le calendrier à la Champions League européenne, donc on aura véritablement du grand mood entre la Champions League européenne ou encore le choix avec la Champions League africaine. C'est l'une des réformes amenées par Fatma Samoura, elle qui parle au nom de la CAF au jour d'aujourd'hui aux côtés du président Ahmad Ahmad. Coach Grégoire Tanangandi, on va avancer un temps soit peu. Jacques-Edouard Niobe, on parle des Lions U17 qui préparent la prochaine Coupe du Monde. Ils ont quitté le pays en fin de semaine dernière pour se rendre en Turquie pour disputer un tournoi UEFA CAF pour en prélude à cette Coupe du Monde. Mais qu'à cela ne tienne, ça fait le tour des réseaux sociaux, ça parle. La sélection des joueurs binationaux, encore ceux qui évoluent à l'étranger, on interroge le décret de 1994 qui parle des joueurs U15 et U17 qui devraient être licenciés de la Fédération Camerounaise de Football. Là, on annonce une dizaine ou encore une onzaine, une douzaine de joueurs dans cette équipe venant de l'étranger, parmi lesquels Étienne Eto'o. Un mot sur cette actualité, Jacques-Edouard Niobe. Oui, ça fait les choux gras des médias, hein, c'est-à-dire Étienne, le fils de l'homme, en tant que son fils, ça ne pouvait que susciter autant d'intérêt et de temps de polémique. Bon, moi, je suis gêné parce que là, c'est toujours un problème de la gouvernance. Oui, on cite le décret. Le décret est clair là-dessus. Le décret souhaiterait que ce soit vraiment exceptionnellement le joueur. Parce qu'on s'est rendu à l'évidence qu'on a pris part à la CAN avec 23 joueurs. Les 23 joueurs venaient de l'étranger. Voilà. Rigobert, on vient de qualifier les Lions U23. Il y avait à peine 2-3 joueurs qui évolue sur le plan local. Chez les juniors, c'est pratiquement parfois 60%. Voilà. Pourquoi passer les jeunes? Où va le football camerounais? Où vont ces formateurs qui sont à Tanangandi, à Nissekoum et bien d'autres qui travaillent jour après jour? Surtout que ce sont ces joueurs locaux qui ont remporté ces derniers camps du côté, qui ont remporté ces derniers camps U17. Ben, c'est pour dire qu'il y a un potentiel énorme. Il y a un potentiel. C'est ça même la particularité du football camerounais. On enlève la gouvernance d'un côté, mais au niveau du potentiel, on a un potentiel énorme. Alors, on est capable, même localement, même au niveau national, de trouver des perles et les rendre visibles à travers ces différentes sélections nationales. Donc, le décret allait dans ce sens. Mais maintenant, il y a une sale habitude qui ne fait que gêner notre gouvernance sportive. Ça veut dire que à peine l'enfant arrive à un certain niveau, il faut qu'il aille de loin, qu'il aille terminer ailleurs. Ça fait mal. C'est pourquoi le décret voulait insister vraiment qu'on privilégie quand même l'organisation locale de notre football en priorité par rapport à ce qui viendrait de là-bas. Ceux-là, ils doivent devenir mature plus tard pour être dans les sélections supérieures. Là, c'est normal. Mais si on prend les jeunes qui n'ont même ils ne maîtrisent même pas l'environnement de ce pays, on dit venez jouer. Est-ce que c'est pas crédible? Moi, j'ai pas trouvé ça crédible. Mais surtout, le plus grave là-dedans, le plus grave, c'est que ça s'est fait en marge du sélectionneur compétent. Ça veut dire que c'est... Il a dit qu'il voulait 3 joueurs maximum. C'est un acte du secrétaire général qui convie cet Étienne à cette compétition. Et si c'est normal, on devait attendre, ou alors imposer peut-être à ce sélectionneur de le faire, et qu'on sache, nous, de l'extérieur, qu'on sache que c'est le sélectionneur du Bitouma qui l'a fait.
Mais ici, c'est plutôt le secrétaire général qui a fait une décision qui va dans le sens de ramener Étienne parce que c'est le fils de l'homme. On peut donc faire beaucoup de suspicions là-dessus. Ça veut dire qu'on est maintenant dans la logique de comprendre que c'est tout qui commande cette fédération, puisque le secrétaire général ne fait qu'exécuter les ordres qui lui viennent du mentor. Et c'est le mentor qui décide de tout maintenant. Et c'est incohérent. C'est là où je mets en cause la gouvernance de notre football. Châtelain, un étau remplace un autre étau, malgré qu'il y ait le décret qui soit là, qui peut-être pourrait mettre une barrière. Ça devient compliqué. Il faut comprendre ici que les gens sont dans une logique de défiance. Vous ne pouvez pas avoir un décret d'un chef de l'État. C'est lui le... Parce que d'aucuns demandent même qu'on revoie ce décret. Je vous dis, c'est pour vous montrer à quel point... Le texte est dynamique, ça ne dépendra que du président. Je dis... Il peut revenir dessus, mais il a dit... Je dis encore que c'est un état de défiance. On ne saurait, n'est-ce pas, décider de convoquer un joueur en mettant en marge celui qui est responsable. Mais dans la convocation, on parle qu'il prendra part à la phase finale de la Coupe non, du Monde. Non, je veux dire, écoutez, même dans la présélection, on vous a dit, allez interroger le décret 284-2014, qui vous dit clairement que pour les catégories de U15, U17, feront partie de ces sélections-là les joueurs, n'est-ce pas, jouant sur le territoire licenciés à la fédération et dont le championnat organisé par la fédération. Mais maintenant, alors, on peut interroger qu'au Cameroun, est-ce qu'il y a le championnat jeune? Non, mais alors, le problème n'est pas à ce niveau, Daniel Fissini. C'est à quel niveau? Ceux qui sont c'est la promotion, donc, de ceux qui doivent permettre aux enfants de jouer. Vous comprenez? Donc, c'est un échec? C'est un échec de la fédération. Parce que la fédération qui est chargée de promouvoir le football à la base ne le fait pas. Mais on a mis sur pied la Ligue spécialisée de football féminin, mais pas la Ligue spécialisée de football féminin. C'est pour démontrer une fois de plus que les gens ne sont pas dans la logique, n'est-ce pas, de permettre au football camerounais, n'est-ce pas, de s'épanouir. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que les gens vous disent que c'est un particulier, c'est un privé, c'est-à-dire le tournoi Sémence Olympique, c'est là où on va s'asseoir pour observer, n'est-ce pas, les jeunes. On ne peut pas aller avec le tournoi des brasseries pour dire que c'est là-bas. On peut pas... Donc, c'est quelque chose où les gens se sont dit, aujourd'hui, nous sommes là pour défier le chef d'État. Qui est Samuel Eto'o? Parce qu'il faut le dire, il n'est pas la République du Cameroun. Au-delà du football, même le football n'a pas développé le Brésil, là où les gens jouent tous les jours, vous comprenez? Mais les gens s'amusent toujours à penser qu'un bonhomme peut être là et être là en train de guider. D'ailleurs, c'est pour ça que je demande si mon frère Benjamin, je ne sais pas le secrétaire général, Benjamin Banlock de la Fédération Camerounaise de football, si ce monsieur se rend même compte qu'il est en marge, n'est-ce pas? Mais la Fédération devrait communiquer au moins sur cette question. Je dis, vous allez pour ne pas embarrasser l'entraîneur sélectionneur. Non, c'est clair, c'est le sélectionneur, n'est-ce pas, l'entraîneur sélectionneur qui est responsable de la convocation dans ce décret. C'est le sélectionneur. Ça veut dire que l'entraîneur, vous... quand même, nous, on a eu la chance de l'avoir en milieu de semaine. Il a dit pour non, avoir vous savez, un, deux savez ou trois pourquoi, joueurs. Vous savez mais pourquoi? Aujourd'hui, c'est rendu à l'évidence qu'il y en a une dizaine. Chacun défend son biftec. Aujourd'hui, non, il est clair, pour Libye, il n'est pas favorable. Pour Libye, il est question de rester là. Et pour rester là, il faudrait qu'il fasse la politique de ceux qui ont l'intérim de la nomination. Libye n'est pas dans Parce que si Libye, un temps soit peu, avait dit moi, je ne saurais même commenter parce qu'il y a un acte d'un supérieur. Je vous dis encore, lorsqu'un supérieur a sorti tout un décret, on se plie, il n'y a pas de commentaire. C'est un constat qui a été fait. On a eu les états généraux, on a eu le forum sur le football qui ont fait toutes ces propositions. Les gens allaient chercher les enfants de leurs amis et sans niveau pour les amener en sélection. Qu'allez-vous faire des enfants qui sont au niveau du terroir? Donc chaque enfant va rêver d'aller jouer en Europe et alors le football là-bas. On dit aujourd'hui que sous le contrôle de Datananga qui est un entraîneur, on vous fait le reproche de ne pas être au niveau. Non, c'est pas parce que vous n'êtes pas au niveau. Parce que si un enfant n'a pas la conviction qu'il a un talent et qu'il peut jouer pour rendre le spectacle beau, vous comprenez? On ne pourra pas. Aujourd'hui, on a fait le reproche à la Ligue de football professionnel que oui, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas ci ou ça. Vous pensez que vous pouvez coller votre image, le football commercial, donc professionnel, que vous dites
Tout le monde a besoin de se vendre. Donc, quelqu'un ne peut pas accepter de venir coller son image là où le football est médiocre, là où le spectacle n'est pas à la hauteur. Vous comprenez? Tous les jours, nous sommes devant nos télévisions. On a parlé devant des championnats bancaires. Devant nos téléviseurs, tous les jours, n'est-ce pas, en train de regarder la Champions League européenne, et où les gens ont même l'habitude de dire que mais ça, c'est une autre dimension. Vous pensez que les autres sont devenus seulement à ce niveau-là, comme ça, par un coup d'épée magique? Non, c'est parce qu'effectivement, les gens ont compris qu'il fallait faire la base. Et quand vous arrivez en Europe, vous allez trouver partout les centres de formation et on joue des tournois bien appropriés. Et d'ailleurs, imaginez-vous en Champions League, il y a les U19, il y a, on vous dit que U19 du Real de Madrid qui joue, et les mêmes clubs hein, qui jouent la Champions League, c'est-à-dire en équipe première, sont les mêmes qui jouent, n'est-ce pas, à enlever des rideaux. Il faut le voir, il faut le savoir. Donc, si au Cameroun, on ne peut pas faire jouer les enfants, nous, nous avons par exemple payé, n'est-ce pas, au sein des au niveau de la ligue départementale de football du Fundi, pour que nous puissions jouer le championnat de football jeune. Mais cet argent-là nous a jamais été restitué. Vous comprenez? Mais on nous a dit, vous allez jouer. On forme des catégories. Donc, un enfant dit, ah, ça ne me sert à rien. Moi, je suis à la maison. Et on attend, atteindre l'âge de 18 ans. Et on voit ce que ça donne. Lorsque vous voulez faire jouer un enfant pour la première coach, fois, à 18 ans, ce n'est pas coach possible. Coach Atanangan dit, en un mot comme en mille, hein, c'est le coach est embarrassé en ce moment dans la tanière Sabou parce que les enfants se posent des questions. On a mouillé le moyen pour qualifier, mais lorsqu'on voit l'état des choses, ce sont les autres qui devront jouer la phase finale de la compétition, alors qu'ils ont peut-être le gagne-pain du côté de l'étranger, ça devient compliqué pour le technicien. Ouais, je pense qu'il faut être logique. Le coach, il est vraiment embarrassé. Et après, il ne devrait pas être embarrassé. Vous savez, il sort d'une compétition où personne ne s'attendait qu'il pouvait être champion d'Afrique. Aujourd'hui, comme on dit généralement... Il a aussi des demandes d'explication. Voilà. Pourquoi elle allait voir les joueurs? Quand la vipère est en brousse. Parce qu'il a organisé les castings. Quand la vipère est en brousse, c'est pour les enfants. Il suffit que ça arrive au village, ça revient pour les... Vous parlez comme un patriarche, attends. Justement, parce que comme c'est la Coupe du Monde et c'est une vitrine, il y a des managers, il y a tout ça qui intervient. Il y a la pression là-dessus. Il y a cette pression. Et vous voyez, vous pouvez vous engager. Et comme le DG l'a bien dit, vous savez, quand vous êtes sous l'emprise des décideurs et puis... vous êtes obligé de... Le coach est vraiment embarrassé. Voilà, est vraiment embarrassé. Il ne devrait pas. Mais moi, je pense que je l'ai suivi. Comme l'a bien dit aussi monsieur. On a fait un entretien de près de 40 minutes. Il a dit des choses. Vous savez, j'ai peut-être cette. Vous avez été entraîneur adjoint. Il n'est pas à qui la cause. Lui, de le connaître un peu. Vous savez, il peut même être d'accord que ces binationaux arrivent. Mais il sait là. Il a dit c'est sur le terrain. Il sait là, il va les prendre au monde. Il a dit que c'est sur le terrain. Oui. Il sait sur le. Il a confiance. Parce qu'on doit même le faire. Justement. C'est justement. Donc, moi, je pense que... Donc, la fédération devrait revoir la copie, peut-être. S'arrêter en plein chemin. Non, j'ai un secrétaire général qui décide de prendre celui de convier, n'est-ce pas? Et puis j'ai dit, Daniel Fils, si aujourd'hui, vous voyez, tous les jeunes veulent sortir, 17 ans, 18 ans, comme Jacques Gnobel le disait, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de méritocratie. Lorsqu'il y aura une logique, une méritocratie dans le football, sur le plan local... Les joueurs vont arrêter de sortir à tout moment. C'est un de nos amis, Francis Boumal Bakapa, Soumangourou Terrestre, plus connu sur la toile, qui a fait un post sur son Facebook ce matin en nous faisant savoir que ceux qu'on qualifie de meilleurs au Cameroun, on a pratiquement 18 joueurs qui ont signé en D2 du côté du Maroc, alors qu'on a d'aucuns qui reviennent de là. Où va le football camerounais? Ça devient compliqué. D'aucuns vont au Congo. D'aucuns vont au Kenya. D'aucuns vont dire en Guinée. Beaucoup plus en Afrique. On va avancer. Coach Grégoire Atanangan dit, parlons du sélectionneur des lieux notables du Cameroun. La fumée blanche reste attendue. Beaucoup de noms circulent. Patrick Mbouma, qui a annoncé sa candidature sur la chaîne cryptée Canal Horizon, c'était en début de semaine dernière, lundi dernier, précisément dans le programme Talent d'Afrique. À côté de cela, à milieu de semaine, on a annoncé Gustave Poyet au Cameroun avec l'entraîneur des gardiens, Jacques Songo. On a annoncé Antoine Camboire. On a annoncé Pierre Louchande, ses entraîneurs. Et pour parler de cette question, notre consoeur Marina Kogbina s'est planchée sur la question. Elle a interrogé cette situation à la tête des lieux notables du Cameroun. Prenons ce reportage et on se retrouve derrière. Depuis le départ du duo néerlandais à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, ce poste est resté vacant, entraînant des agitations de part et d'autre. Entre anciens entraîneurs de Lions Indomptables, tacticiens occidentaux et anciennes gloires du football camerounais, tout y est pour que l'on assiste les jours prochains à la présentation du nouvel homme fort de la sélection senior, monsieur du Cameroun.
Ayant marqué l'histoire du football camerounais, l'ancien numéro 10, vainqueur de deux Coupes d'Afrique des Nations avec le Cameroun, a fait savoir son intention d'entraîner la sélection Fagnon. La nouvelle a été donnée lors de l'émission à succès Talent d'Afrique où Magic Mboma a annoncé sa candidature à ce poste après le départ de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. N'ayant pas d'expérience d'entraîneur, le champion va certainement se frotter au sempiternel problème de la confiance attribuée à l'ogre occidental comme natif du Cameroun. L'attaquant aux 33 buts en 56 sélections est conscient des rouages de cette nouvelle aventure pour une équipe qui compte sur son sélectionneur pour jouer les grands rôles d'intendance, d'administration, de négociateur que de gérance. Extraordinaire! Voilà qui est bien dit par Marina Kogbina, Jacques-Edouard Niobe. En une minute, il y a des prises de parole sur cette question des entraîneurs. Qui pour succéder à Clarence Seedorf, Patrick Mboma est là. On parle de Gustavo Poyet, on parle d'Antoine Camboré, on parle de Pierre Lechantre. Ça commence à se corser pour ceux-là qui sont en charge de désigner l'entraîneur de ces lieux indomptables du Cameroun. Ben, je crois que c'est peut-être une supputation pour la plupart. Parce que, sauf peut-être Patrick qui a très officiellement confirmé sa position sur une chaîne de télé et radio. Bon, les autres, moi, je considère que c'est des supputations. Bon, il revient donc à la fédération de faire ses choix. Et le moi, président actuellement en Suisse, à Zurich. Voilà, moi, j'ai dit, c'est toujours une avec incohérence. C'est toujours une incohérence dans le choix de ces entraîneurs. Logiquement, on devait être cohérent pour y arriver. On postule. Après, chacun vient défendre son projet par devant des instances compétentes. C'est pourquoi je vous ai toujours fait allusion à une direction technique où si chacun a postulé, vient défendre son projet par devant des techniciens avérés et les seuls qui se retrouvent et donnent leur position, quitte maintenant aux décideurs de dire bon, tel ou tel. Même comme cette approche est vraiment contre... De quoi parle des cabinets qui devraient voilà, peut-être se plancher sur la question. Cette approche est contraire à la position de Bell, que j'ai suivi aussi dans certains médias, qui dit que, bon, on n'a pas besoin des appels à manifestation et autres. On doit savoir quel est l'entraîneur qui peut être là et on le choisit et il commence le travail. Ben, moi, Châtelain, je suis dans l'approche où... Sur la question, on a quand même Patrick Mboma qui a déclaré, mais il a un gros soutien à son excellence Albert Roger Mila. On lui a posé la question de savoir, il n'a jamais entraîné même les poussins. Il a dit, on n'a pas besoin d'entraîner les poussins pour entraîner une sélection, pour être sélectionneur national. Vous êtes du même avis? Ben, si Patrick, lui, veut bien entraîner l'équipe nationale, parce que c'est lui au moins qui a déclaré, n'est-ce pas, sa candidature. Il a dit, moi, je veux entraîner l'équipe nationale. Est-ce que ça va venir jouer les troubles faits? Non. Moi, je pense que lorsqu'on a la volonté, on peut y arriver. On a bien vu d'autres entraîneurs qui sont venus sans nom. Il peut s'entourer. Qui se sont fait des noms. Donc, pour moi, je pense que si, avec le vécu qu'il a, il peut venir l'apporter au sein de l'équipe nationale, il peut bien réussir. Au cas où, n'est-ce pas, on lui donne la possibilité d'entraîner cette équipe nationale. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Oui, il y a beaucoup de noms, comme toujours. Et je vous dis, Daniel Fils... Mais on sait qu'il y a quelque part où on recrute l'entraîneur au Cameroun. Oui, mais c'est pourquoi je voulais dire que je ne suis plus trop captivé par cette actualité, parce que on aura beau faire un choix, on va dire, non, logiquement, c'est Châtelain qui mérite d'être là, et après, les décideurs vont prendre qui veulent prendre. Pour moi, mon souhait, c'est que celui qu'on va choisir, qu'il vienne et qu'il ait la chance. Je précise bien la chance. Hugo Brousse a réussi cela. Voilà. Il a la chance, durant sa période contractuelle, qu'il puisse vraiment avoir les résultats avec l'équipe nationale. C'est tout ce que je peux souhaiter à celui qu'on prendra vraiment. On va ouvrir le dossier Chan-Kan Cameroun 2019 et le ministre des Sports en milieu de semaine qui a visité un ensemble d'infrastructures en rappelant qu'il n'est pas passé par Olimbé parce que de ce côté, tout est à l'arrêt et on aura au moins 6 mois pour devoir terminer les chantiers de ce côté. Et après le constat, il y a un séminaire d'imprégnation par rapport au discours, par rapport à la posture des uns des autres, à l'arrivée des inspecteurs de la CAF qui est annoncée dans quelques jours. Et pour cela, Marina Kogvin, une fois de plus, s'est planchée sur cette visite. On prend d'abord ce reportage sur la visite et puis après, on parlera du séminaire derrière. Chan 2020, Cannes 2021, deux compétitions majeures que le Cameroun accueille très bientôt. Dans le but d'éviter un glissement notoire, on note l'accentuation des travaux au niveau des différentes infrastructures retenues pour abriter ces deux grands rendez-vous. Depuis une semaine, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, sillonne chantier après chantier, s'acquérant de l'état d'avancement de ces derniers engagés dans les différentes villes.
Ayant fait le tour du bailleur sur les chantiers de Douala, Limbe et Bafoussam, le patron des sports est du côté de Garoua, observant tous les sites sportifs, sanitaires, routiers, hôteliers, avant la descente sur le terrain des émissaires de la Confédération africaine de football. Les entreprises concernées dans la réalisation de ces projets n'ont point de répit afin d'arrimer les dites infrastructures aux normes internationales. Après Garoua, Nassis Mwalekombi devra tirer les conclusions de toutes ces visites afin de déceler les défaillances qui pourront empêcher le Cameroun de recevoir le champ dans quelques mois et par ricochet à la CAN 2021. Compétition servant de tremplin pour les Camerounais, le championnat d'Afrique des Nations sera un test pour le pays des lions indomptables. Pas de répit pour le patron des sports camerounais. Après les descentes sur les sites devant abriter le CHAN 2020 et la CAN 2021, le professeur Nassis Mwalekombi a présidé un séminaire d'imprégnation d'harmonisation et de présentation des infrastructures pour ces compétitions de grande envergure en terre camerounaise. Réuni autour du MINSEP au palais polyvalent des sports de Yaoundé, directeur des stades, entreprises éducataires, administration partenaire, responsable du ministère des Sports et de l'Éducation physique, responsable de la Fédération camerounaise de football, tous ont assisté avec engouement à ces rencontres d'échange et de partage. Le prétexte de ce rassemblement est bien défini. Dans le cadre des différentes descentes que nous avons eues à effectuer sur divers sites et dans diverses infrastructures et structures dédiées à ces deux importantes compétitions, il nous a été donné de relever un certain nombre de carences méthodologiques en matière de présentation, en matière de valorisation de l'existant, de valorisation des acquis et même en matière de réponse à apporter aux préoccupations de la CAF. C'est pour cela qu'il nous a semblé utile et nécessaire d'organiser ce séminaire d'imprégnation et d'appropriation de la méthodologie et de la stratégie de présentation des structures et des infrastructures. Hommage à l'arrivée des émissaires de la Confédération africaine de football au Cameroun, ces assises étaient d'une importance capitale afin de remédier à certains manquements observés sur les différents secteurs. L'organisation du championnat d'Afrique des Nations en 2020 et l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 sont des événements dont l'enjeu est grand pour notre pays, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. La bonne organisation et la réussite de la mise en œuvre des hautes prescriptions du chef de l'État en la matière nous interpelle à une dynamique collective qui fait intervenir différents acteurs de différents secteurs. Pendant 48 heures, tous les participants étaient outillés. Le taux d'exécution des différents travaux doit nettement évoluer afin de respecter les délais et éviter un autre glissement de date. À la suite de ces deux reportages sur ces infrastructures et sur cette question, ce séminaire d'imprégnation, on va une fois de plus donner la parole au ministre des Sports, le professeur Nassis Mwalekombi. À l'issue des travaux qui sont achevés jeudi dernier au Palais des Sports, il a eu son mot à dire et surtout il exprime son satisfaction au micro de HFoot. Écoutons le professeur Nassis Mwalekombi et on se retrouve derrière. Un témoignage et un sentiment de satisfaction peuvent être exprimés. Ce séminaire était nécessaire et les résultats ainsi que les recommandations qui en ont été la résultante ont mis en évidence tant la nécessité que l'opportunité et l'utilité des assises qui viennent d'être clôturées. Nous voulons féliciter l'ensemble des participants et des parties prenantes qui représentaient les administrations partenaires, mais également les entreprises responsables des structures, des infrastructures hôtelières, sportives et autres sur le terrain, de même que nous avons la formation. Voilà,
qui est bien dit en 30 secondes de prise de parole. Jacques-Edouard Niové qui a suivi ce séminaire aura une minute pour boucler le plateau. Coach Grégoire Tanangan dit on prépare déjà cette échéance capitale. Le CHAN, la date reste annoncée, la date reste à confirmer parce que la Confédération voudrait arrimer son calendrier, peut-être en juin prochain, mais la date officielle reste janvier. Quand cela n'est sur le terrain, on travaille, on a pris conscience de cela à travers ces différents aspects. Coach Grégoire Tanangan. Oui, oui, vivement, le séminaire était important. Vous savez, quand vous avez des étrangers chez vous, il faut savoir communiquer, il faut savoir les orienter, il faut savoir vendre l'image de la compétition que vous préparez. C'était très important et on espère vraiment que cela va bien se passer. Châtelain Kono, le ministre qui a constaté que les gens paniquaient alors qu'ils avaient la réponse même avec eux, il fallait quand même dire à ces derniers comment ils devront se comporter. On dit, c'est vous qui étiez là-bas, que tout ce qui est bien appris, sinon c'est clairement. Et les mots pour les dire arrivent aisément. Donc, moi, je veux dire que le ministre, moi, je ne devrais pas faire ça. On ne peut pas arriver pour dire que la valorisation, non, ce n'est pas à vous de valoriser. Vous avez des infrastructures, vous les présentez, point barre. Est-ce qu'il y a la sécurité? Oui, voilà ça. Est-ce qu'il y a la pelouse est bonne? Oui, voilà ça. Est-ce que, voilà, ce sont les éléments élémentaires qu'on pose, les questions qu'on pose aux gens. On ne veut pas savoir, vous allez vanter une histoire qui ne tient pas. Donc, vraiment, que le ministre qui est dans son rôle sache que ça n'avait pas sa place pour parler de valorisation et tout ça. Vraiment, moi, les combis, vraiment, qu'ils comprennent que peut-être il s'est trompé d'endroit, il faudrait qu'il continue à la culture. Vous êtes du même avis, Jacques Edouard-Niobé, vous avez suivi cette travaux. J'ai suivi, j'étais à l'atelier. Vous étiez assidu, hein? Oui, j'ai apprécié. Accueil et communication. Oui, ouais, j'ai apprécié l'atelier, tout simplement, parce que... pour une des rares fois... on met d'abord la réflexion en amont. Parce que si, je lui ai dit, j'ai dit ça au ministre quand il a fallu que je le salue, j'ai eu toutes mes félicitations. Mais, vivement. Vous avez félicité le ministre? Oui, mais que vivement la réflexion. Pour l'initiative? Je vous en prie, j'attends. Que vivement, je comprends. Que vivement la réflexion soit à l'ordre dans cette maison. Parce que la maison n'a pas de réflexion. Ici, il y avait une réflexion pour se préparer par rapport à la descente des inspecteurs de la CAF. Et on a constaté en d'autres occasions comment il y avait le fourre-tout quand les bonhommes viennent... Un trou plein de personnes, de protocoles. Les gens sont venus pour une mission de travail, d'évaluation du travail qui a été fait. Mais curieusement, c'est plutôt de l'événementiel. C'est-à-dire qu'on devait attirer l'attention même des gouverneurs qui sont des responsables locaux de ces comités et qui, effectivement, pour aller, par exemple, dans une visite, sont obligés de prendre des centaines de véhicules. Merci, Jacques-Edouard. C'est terminé. Hein. Si c'était quoi, c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Merci Jacques-Edouard Niobé, de votre disponibilité. Merci, monsieur le directeur général. Votre confiance va nous honorer à chaque fois que vous voulez bien passer dans nos studios. Merci, coach Grégoire Tanangandji. Peut-être... En attendant, trouvez-nous un nouveau club, on fera de vous un consultant maison. Question que vous nous accompagnez. Surtout, on était satisfait par ce qui a été fait. On rappelle que de l'autre côté de la réalisation, c'est Dieu Béni Bangala qui assure désormais. Comme ingénieur de son, William Kamga était là. Vous avez suivi Gabriel Messina, Marina Corvina et bien d'autres qui nous ont accompagnés pour cette autre édition. Nous sommes en saison de garder la hache attitude. Pour ceux qui sont à table, bon appétit. À nous de vous dire bon week-end, portez-vous bien et on se retrouve au prochain numéro. Inch'Allah, portez-vous bien.